Bonjour, je m'appelle Kiran, j'ai 19 ans, j'ai fait un bac scientifique et une formation d'intégrateur web avant de commencer un CAP cuisine au CEPROC. Je suis en formation CAP cuisine en un an et le rythme d'alternance est de une semaine au CEPROC et 3 semaines en entreprise. On a des cours de gestion appliquée, de sciences appliquées et de techno-cuisine. Dans le groupe, on est 12, donc ça facilite beaucoup l'entrée, la communication et le fait qu'il y a une très bonne ambiance dans le groupe et les formateurs qui apportent une grande expérience, beaucoup d'aide quand on fait de la pratique. Donc j'ai rien à ajouter, c'est top. La recherche d'entreprise, je l'ai commencé très tôt en suivant tout d'abord des restaurants autour de moi. J'ai eu plusieurs réponses, mais il y a aussi le CEPROC qui m'a aidé à trouver une entreprise dans laquelle je suis actuellement, et qui n'est pas forcément à côté de chez moi, mais qui me plaisait plus au niveau de son programme et de ce qu'elle pouvait m'apporter. J'ai choisi la formation cuisine parce que depuis petit, depuis 6 ans, je suis passionné de cuisine et j'aimerais en faire un métier. Et je pense que le CAP, c'est déjà une première expérience pour voir si je suis fait pour ce milieu ou non. À la suite du CAP, j'ai prévu soit de faire ce qu'on appelle une passerelle en pâtisserie, donc une mention complémentaire, ou de faire un brevet professionnel en cuisine pour continuer dans la cuisine. Ah, si tout se passe bien, dans 5 ans, ouais, 5-6 ans, je suis chef de mon restaurant.